Jérémy, tu es en train de préparer ta première communion cette année et donc une petite vidéo pour t'aider à avancer dans ta préparation de ce grand jour et tous les communions qui suivront après. Alors, le but de cette vidéo, c'est de te parler de comment Jésus se rend présent à la messe. Alors, moi, j'ai trouvé trois. La première, c'est à travers la communauté. Le deuxième, c'est sa parole. Et aussi, le troisième, c'est sa présence réelle dans l'Eucharistie. Donc, la première. Je commence par un petit texte que Jésus qui nous livre. En fait, c'est une promesse qu'il nous a faite. Il dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, moi je serai là présent parmi eux. Donc Jésus a déjà prévu que nous soyons après sa mort, après sa résurrection, deux ou trois ou plusieurs, être réunis en son nom. Donc la condition pour avoir sa présence, d'accomplir cette promesse, c'est que nous soyons réunis en son nom. Alors, quand je vais à la messe, il faut que peut-être je regarde la raison pour laquelle j'y vais. Alors, si ma motivation principale d'y aller, c'est de rencontrer mes copains, ou parce que c'est une grande fête, c'est un peu la tradition de la famille d'y aller, ou même je suis obligé par mes parents d'y aller. Tu vois, je n'y vais pas en son nom, c'est pas mon vrai but de rencontrer le Christ. Donc, ce serait difficile que je sorte de cette messe déjà remplie de sa présence. Mais si je essaie de vraiment chercher la présence de Jésus, lui tiendra toujours sa promesse. Et tu peux le rencontrer, bien sûr, pas physiquement, mais au niveau de ton cœur profond. Et peut-être tu vas dire, mais si je veux rencontrer Jésus, ben, je peux faire ça toute seule. Quand je prie à la maison ou dans ma chambre, je peux aussi rencontrer Jésus. Je ne vois pas pourquoi il faut que je me déplace de chez moi pour aller à une messe. Alors, en partie, tu as raison. Parce que, bien sûr, quand tu pries, Jésus se rend présent. Mais la conclusion, il est erronée. Parce que j'ai besoin d'être avec les autres. Sinon, le risque, c'est que ma foi devient trop subjective. Parce que si c'est moi le seul interlocuteur avec Jésus, en fait, je finis par me conforter d'avoir une relation avec Jésus un peu à ma sauce. C'est un peu le supermarché de la foi où je pense ici, ça, je, non, ça me convient, ça, non. Et je fais un petit pot-pourri de la foi et je me dis, mais Jésus, il est bien content avec tout cela. Mais en fait, non. Parce qu'on a besoin d'autres personnes qui partagent cette foi pour m'aider, me challenger, m'exposer aux autres aspects de la foi, autres vérités, autres passages aussi de l'Évangile que j'ai un peu oublié ou que j'ai eu du mal à comprendre et j'ai laissé un peu à côté. Donc, pour voir un bon équilibre spirituel, j'ai besoin de deux choses. Ma prière personnelle, bien sûr, que je rencontre Jésus dans ma prière, et j'ai besoin de cette expérience d'une foi communautaire que je peux avoir à la messe, mais aussi dans d'autres endroits aussi, par un groupe de prière en famille, un groupe de cathés, etc. Par exemple, tu découvres un nouvel artiste que tu aimes bien, ou une nouvelle chanson. Et alors, tu peux l'écouter toute seule et te fait plaisir. Et si tu le fais écouter à une amie qu'elle apprécie autant que toi,
Et là, il y a quelque chose de magique qui se passe. Parce que le fait que tous les deux nous soyons ensemble, ce n'est pas juste un double plaisir, mais ça crée une connivence, une forme d'unité, d'accord entre nous qui fait avancer, approfondir notre amitié. Ça, c'est au niveau de la musique. Mais si on va au niveau de la foi, c'est encore plus profond en nous. Et si on arrive à partager notre foi à ce niveau-là, ça crée, tu vois bien, des liens d'unité, d'accord, de connivence encore plus puissants. Et donc, si je me prive de la messe, je me prive aussi de cette connivence, cette union si forte, cette présence de Jésus qui nous réunit et qui nous met ensemble. Alors, la deuxième raison pourquoi je ne peux pas vivre ma foi juste chez moi, tranquillement, c'est parce que Jésus nous invite, il nous convoque. Tous les dimanches, il dit, viens, j'ai quelque chose à te donner. J'ai besoin que tu sois nourri par moi, ou plutôt, tu as besoin que tu sois nourri par moi. Et si je le fais, je découvre en fait que pas seulement Jésus me nourrit, mais il nourrit aussi la personne à côté de moi. Et en train d'être en communion de la même bonne chose du Seigneur. Le deuxième lieu de sa présence, c'est sa parole. Et tu vois bien, on commence la messe. La messe, on peut diviser en gros en deux parties. La partie de la liturgie de la parole, après la liturgie de l'Eucharistie. Donc la première partie, on s'assoit et on laisse Jésus nous parler à travers les Écritures. C'est comme dans les Évangiles, on voit toujours les foules. Jésus le fait asseoir. Ils sont là pour l'écouter. Et pas toutes ces vérités qui contiennent ces paroles qui nous touchent, il veut enflammer le cœur de chacun de nous qui sont là avec un cœur ouvert pour l'entendre. Alors, est-ce qu'il t'arrive, quand tu écoutes les lectures à la messe, qu'aussitôt tu oublies ce que le lecteur vient de dire? Moi, je suis comme ça. Parce que moi, j'ai une mémoire plutôt visuelle. En écoutant, ça ne me suffit pas pour retenir les choses. J'ai besoin de les voir écrites. Donc, si tu veux retenir plus facilement la parole de Dieu, découvrir la présence de Jésus à travers sa parole, ben je vous donne une petite astuce. Tu t'abonnes ou tu demandes à tes parents de t'abonner à soit Magnificat, Prions en Église, Parole et Prière. Et là, tu as chaque mois toutes les lectures de la messe. Si tu les lis un peu avant la messe, ou même si tu le lis pendant la messe, je suis sûr que une parole, une phrase va sauter à tes yeux. Et c'est là exactement où l'Esprit Saint est en train de te parler, parce que c'est la parole de Dieu pour toi aujourd'hui. Donc il ne faut pas aller continuer à chercher ailleurs, mais juste laisser cette parole entrer en toi, de résonner dans ton intérieur, de creuser, d'essayer d'imaginer qu'est-ce que Jésus veut me dire par là, qui me porte à la prière, et laisser le Christ me parler. Et si dans chaque messe, je ne retiens qu'une phrase ou une parole qui me touche, là, ça suffit. Et en plus, ce qui arrive, c'est que je peux écouter la même parole quelques jours, quelques semaines, une année plus tard, et une autre parole, une autre phrase de ces mêmes lectures va me toucher. Parce que la parole de Dieu est vivante, il est active, et c'est jamais pareil, et nous non plus. On n'est jamais la même personne. Donc, chaque fois que je lis, que je relis, je découvre toujours de nouvelles choses
et on va jamais cesser d'épuiser, ou on va jamais épuiser toutes les richesses qui sont contenues dans la parole de Dieu, dans les Écritures. Alors, la troisième lieu où Jésus sera présent à la messe, bien sûr, c'est dans l'Eucharistie. Alors, de ces trois présences, c'est le plus important, mais en même temps, c'est le plus difficile d'accès. Parce que, voilà, la communauté, c'est facile. Je vois les gens, je peux parler, interagir avec eux, réagir avec eux. La parole, je peux l'entendre, je peux le lire. Voilà, j'ai un accès assez facile. L'Eucharistie, c'est un peu différent. Parce que qu'est-ce que je vois? Je vois du pain. Je vois un calice. Qu'est-ce que j'entends? Bah, rien. Mais malgré ces inconvénients, en réalité, c'est la présence la plus puissante qui existe dans la messe. Et c'est vraiment le cœur de la messe, la raison principale, si tu veux, qu'on va tous les dimanches. Parce qu'on a besoin d'être nourri par cette présence-là. Alors, je ne vais pas vous parler des arguments qui peut-être vont te servir plus tard quand tu es plus grande. La différence entre les substances et les accidents, la transubstantiation, difficile à prononcer, encore plus difficile à comprendre. Pour l'instant, la seule chose qui est importante de retenir, c'est de se concentrer sur les paroles de Jésus. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et de savoir que Jésus ne peut pas mentir. Donc s'il dit « c'est mon corps, c'est mon sang », il ne peut être que la vérité. Et j'ai besoin d'avoir confiance en sa parole, et c'est à partir de cette confiance que je commence à découvrir sa présence. Alors, si tu ne peux pas ta première communion, ça veut dire que l'Église, la paroisse, et même tes parents considèrent que tu es capable d'entrer à ces niveaux de connaissance, de découverte de la présence de Jésus. De ne pas rester juste au niveau visuel, mais vraiment entrer dans la profondeur de ton cœur en faisant abstraction de ce que voient tes yeux, de les fermer et entrer au fond de toi-même, surtout après que tu as communié. Une image que moi qui m'aide, c'est d'imaginer en moi cette comme une petite pièce tout au fond de mon cœur. Et là, je vois un petit escalier qui monte, etc. Et là, tout en haut, il y a une porte. Et moi, je descends dans mon cœur profond. Là, j'imagine une petite table, deux chaises, une bougie, si tu veux, au milieu. Et là, tu entends une frappe à la porte. À la porte de mon cœur, c'est Jésus dans l'Eucharistie. Il dit, est-ce que je peux entrer? Oui, Seigneur. Que je revienne à ma place, j'imagine Jésus qui descend ses marches tranquillement. Il me regarde, il me sourit en disant, je suis heureux d'être là, au fond de ton cœur, là où tu es en train de prendre toutes tes décisions. Là, tu es confronté par tes peurs, tes difficultés, et aussi toutes tes joies, toutes tes sources de paix et de bonheur. Et c'est là où Jésus veut s'installer. Il regarde les chaises, il te fait signe avec ses yeux, et tu dis, bien sûr Jésus, tu peux t'asseoir. Et en regardant le Christ dans les yeux, en écoutant sa parole, au fond de mon cœur, là, je découvre une présence réelle. Peut-être pour moi, la preuve,
le plus puissante, que Jésus est vraiment présente dans l'Eucharistie, c'est que quand je commençais à communier le plus souvent, le plus régulièrement, et que c'est devenu pour moi une sine qua non, une partie de ma semaine que je ne pouvais pas m'en passer, là je veux pas seulement que ma relation avec lui commence à approfondir, que je veux vraiment chercher sa présence à la messe, en suivant la lecture, en entrant en communion avec les autres, mais surtout en ouvrant mon cœur à sa présence de l'Eucharistie. En fait, moi, j'ai commencé à changer. Ma capacité de choisir le bien, éviter le mal, a bien augmenté. Et parce que ça a augmenté, je suis devenu encore plus heureux. Donc, je vois Richard sans l'Eucharistie, Richard avec. En fait, il n'y a pas de photo. Là où nous sommes en train de vivre un temps de confinement. Tu ne peux pas imaginer combien mes paroissiens ou nos paroissiens, ils souffrent de ne pas pouvoir communier, et cela depuis maintenant bientôt 2 mois. Oui, ils ont leur prière personnelle. Oui, ils ont la parole. La communauté, ils sont un peu privés quand même parce qu'on ne peut pas se réunir. Mais ce qui le manque, et terriblement, c'est l'Eucharistie. Il se rend compte à tel point qu'il ne peut pas vivre bien sans l'Eucharistie. Mais quel bonheur de pouvoir découvrir cette présence. Quel bonheur d'être convoqué par Jésus lui-même, de mettre à table avec lui, afin qu'il puisse me nourrir avec sa parole, avec sa présence réelle, son corps et son sang. De m'unir davantage à lui et m'unir davantage à ceux qui sont en communion avec nous. Quel bonheur et quelle chance de pouvoir participer pleinement à cette communion avec Dieu et découvrir et vivre dans sa présence. Donc, je vous souhaite une bonne préparation pour ta première communion, qui soit le premier de milliers, de centaines de milliers, afin que Jésus puisse grandir tous les jours dans ton cœur. Amen.